Arrêt couleur votre magazine et arrêt couleur votre magazine culturel, arrêt couleur votre magazine qui vous présente l'art en général. Et là, nous sommes dans la sainte du galerie Mukinaïn. Mukinaïn est situé sur route Ngouma, Ngouma Makampan. Et ben, nous sommes à l'exposition qui a commencé le 3 et qui a pris fin aujourd'hui le 11. L'exposition de trois artistes plasticiens, Fwabana, Dunia et puis Masaki. Eh ben, vous avez pu constater comment les artistes ont pu poser, comment les artistes ont pu ils vous ont présenté leurs œuvres. Eh ben, nous demandons seulement à toutes ces personnes qui apprécient l'art de continuer à apporter leur soutien. Merci beaucoup. Nous allons nous entretenir avec les artistes et puis avec quelques personnes que nous avons pu trouver dans la salle. Merci beaucoup. Bonjour Madame Mukina. Bonjour Numérica. Merci beaucoup. On est très flattés d'être parmi les personnes, les journalistes qui sont là pour le vernissage. Et avant de commencer ou d'aller plus loin, et Madame Mukina, qu'est-ce que vous avez motivé d'organiser ce vernissage ou bien cette exposition? Ah ben, et effectivement, nous avons beaucoup de talent ici au Congo et il est très important de pouvoir canaliser un peu tous les artistes et essayer de leur donner aussi une ligne de conduite à suivre et pour qu'ils puissent être aussi compétents sur le marché international. C'est important, il faut leur dire quels sont les matériaux que vous devez utiliser pour valoriser justement votre peinture ou votre art, etc. Parce que souvent on favorise plutôt notre imagination, mais il faut aussi les éléments. Et évidemment, avoir une ouverture, être plus exposé. Madame, d'où vient cette passion de l'art pour... Bon, c'est vrai, mais bon, disons que c'est quelque chose, on est presque avec. Toute ma vie, j'ai toujours été attirée vers les arts, les musées, etc. Et en grandissant, bon, chaque fois que je me trouvais devant une œuvre d'art, bon, j'étais attirée et bon, et maintenant je me suis dit moi-même, bon, j'aimerais bien faire quelque chose. Et en fait, je me suis inscrite à l'Académie des Beaux-Arts en Afrique du Sud, et où en fait ça m'a permis vraiment d'approfondir et de cultiver ce que j'ai toujours aimé. Et puis pour moi, bon, j'ai toujours vécu avec l'art chez moi, chez mes parents. Madame Kina, par rapport à notre ministère, ministère de Culture et Art, est-ce que ils vous viennent en aide aussi de temps en temps, parce que le galerie d'art à Kinshasa, on n'en trouve pratiquement pas? Oui, c'est vrai. De ce côté-là, nous sommes déjà en train de tisser les liens avec le ministère du Tourisme. Malheureusement, nous avons connu un cas de décès et vraiment, bon, mes condoléances à la famille, à toute la famille aussi politique. Mais nous sommes déjà, quand même, on a des soutiens qui sont en train de s'y tisser. Et là, je remercie d'ailleurs le ministre du Tourisme qui est venu nous voir personnellement et qui nous promet en tout cas un soutien à l'avenir.
Madame Kina, parlons de la politique. Vous n'avez pas de passion et un jour, je ne sais pas, qu'on vous retrouve et soit le ministre de la Culture ou bien carrément du Tourisme, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, à une dame, de se donner dans l'art. Si. Bon, c'est pas ma première passion, c'est vraiment pas ma première passion, mais il est vrai que j'ai œuvré dans le tourisme, j'adore les voyages, j'adore informer les gens, j'ai travaillé dans les musées, j'ai fait des visites guidées, même à Louvain-la-Neuve où j'ai étudié, j'ai fait des visites guidées sur les lieux touristiques de la ville, etc. Mais bon, ambition politique, pas pour l'instant. Madame Kina peut nous parler brièvement du galerie. Galerie, qu'est-ce qu'on retrouve en particulier? Bon, on ne retrouve pas ailleurs, disons. Vous parlez de ma galerie. Galerie Moukina, oui. De ma galerie. En fait, dans ma galerie, vous m'avez rencontré à un moment où je fais un vernissage. Donc, je fais vernissage pour Fouabana, pour Dounia et Masaki. Bon, ça, c'est un vernissage. Mais en dehors de vernissage, moi, je prends un peu les... J'ai encore d'autres peintures de plusieurs artistes. Et bon, ça va... il y a toutes les tendances, il y a les réalistes, les impressionnistes, les cubistes, et, bon, ceux qui aiment l'abstrait, le surréalisme, etc. Mais je crois que, comme me l'avait dit un des artistes, m'avait dit que eux, les œuvres d'art, ils le donnent au monde. Et c'est à nous de les apprécier et c'est à nous de les juger. Parce qu'en fait, devant une œuvre d'art, l'émotion que vous ressentez, elle est différente. Une œuvre peut être une œuvre qui inspire la tendresse, qui inspire, je sais pas moi, l'amour que vous avez ressenti de vos parents, la protection. Elle peut aussi être une œuvre criante, vous ne l'acceptez pas. Et bon, disons qu'il y a tout d'abord aussi le fait que c'est quand même des œuvres parlantes. Souvent les artistes peignent, mais même si c'est de l'abstrait, c'est toujours... il y a toujours une histoire derrière. Il y a toujours une histoire derrière, et ça dépeint ce que nous vivons. Et pour donner seulement l'exemple, je vous donne ici les œuvres de Masaki. Vous voyez l'ibongo ici. C'est un peu la vie de marché, etc. Ce qui se passe, toutes les activités qui se passent au niveau du beach. Vous avez là le marché de Loufou. Bon, c'est la vie africaine, c'est ce qui se passe. Et bon, tout ça avec l'expression particulière de l'artiste. Et puis, les artistes, leur talent, c'est d'embellir les choses. Même si elles peuvent paraître dures, etc. Mais les couleurs qu'ils utilisent dénote une certaine joie de vivre, parfois la paix de vivre. Je trouve ça formidable. Merci beaucoup, madame. Il y a un mot, quelque chose que vous aimeriez peut-être que vous aimeriez dire. Tout ce que j'aimerais dire, le mot de la fin, c'est que nous devons quand même respecter nos artistes parce que c'est une fonction qu'on a tendance à minimiser, mais par contre, j'aimerais et œuvrer, par exemple, pour les artistes de tout genre, et parce que ce sont eux, en fait, qui sont les piliers de la culture, et ils nous font, ils rappellent qui nous sommes, en fait. Donc, la peinture africaine, elle est originale, elle nous appartient, et il est important de cultiver, de mettre en valeur
notre culture, sur tous les aspects. Donc, moi, j'aimerais que, du moins, le gouvernement, les ministres de la culture et du tourisme puissent beaucoup, beaucoup promouvoir. Et j'aimerais que que je puisse être connue aussi pour promouvoir de façon internationale nos artistes à nous.